menant des négociations secrètes, sans concertation avec notre famille politique et ses militants. Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. La campagne sera menée par une équipe collégiale, symbole de l'unité, de l'enracinement et de la détermination des Républicains. Les statuts prévoient. C'est exclu de lui-même, il s'est isolé, donc nous allons en décider ensemble au sein du bureau politique. Mais s'il est isolé, je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que de partir. Ça va. Pardon. Il n'est pas seulement ex-président républicain, il est aussi un ex-adhérent des Républicains. Et il peut continuer toute l'agitation qu'il veut. Il peut chercher, pour servir Madame Le Pen, à nous gêner. Les choses sont maintenant claires. Les Républicains, aujourd'hui, ont voulu laver leur honneur, qui avait été sali par M. Ciotti.